Alors comme ça, Léonie, t'as voulu me prendre ma chaîne et t'as fait une vidéo sans ma permission quand on était chez G-Swing, c'est ça? Oui. Ah bah d'accord, alors t'as fait une vidéo de golf. Oui. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait une vidéo de golf. Mais on fait une vidéo de golf dans un vrai golf? Non. Léonie vous emmène golfer, c'est ça? C'est parti. Donc aujourd'hui, Léonie vous emmène golfer. Waouh! Aujourd'hui, moi, c'est probablement la vidéo la plus magique que je vais tourner, faire pour la première fois de ma vie, une vidéo de golf avec mon petit chaton, ma petite golfeuse Léonie. C'est le plus gros kiff que je puisse m'offrir en tant que papa, c'est jouer avec ma fille. On va découvrir le golf ensemble. Allez, Léonie, tu nous emmènes golfer? C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour golfer? Des balles? Alors, une balle. T'as pris quoi comme balle, toi? Ben, j'ai pris des balles de foot. Des balles de foot? Non. Des balles jaunes et une balle jaune. Alors. Alors, les petites balles de foot, Moi, je là-dedans, elles sont encore dans son paquet. Comme je garde les paquets, moi. Ouais, alors vas-y. J'en sors une. Et moi, je prends une balle orange. Je peux? Oui, Super. Un petit. Ok, on va prendre un orange. ouais. Et je vais mettre ta balle. Alors, tu veux prendre quel club, Léonie? Alors, je sais quel prendre. Comme Bon, on il va est loin, jouer. le drapeau. On se fait une formule ensemble, on joue ensemble. Hein. Oui. Ouais. Mais comme il est loin, le drapeau, je sais, je vais prendre le driver. Ah, tu vas. Bah alors, vas-y. Prends le Où driver. je mets? Moi, je vous dis tout de suite, hein, Léonie, elle a été coachée par les plus grands. Elle a découvert le golf chez G-Swing avec Pierre-Antoine. Et elle a été coachée par qui? Ça a été qui ton coach chez. Ah oui, Rina. Rina, je m'entraîne pour relever ton défi. Alors, je vais prendre le driver. Alors Rina, il t'a dit quoi? Pierre-Antoine, il t'a expliqué comment on tenait le club. Et Rina, il t'a dit, tu te mets bien et tu regardes bien où tu veux aller, c'est ça? Faut bien Oui. viser la cible. Alors, je vais expliquer. Hein. Vas-y, va expliquer. Alors, quand il y a une balle qui va plus loin que la nôtre, bah, c'est soit celle de papa, soit celle la mienne, qu'on doit mettre à la place de papa ou de moi. On joue à l'emplacement de la meilleure balle. Oui, on joue à l'emplacement de la meilleure balle. Allez, vas-y, alors c'est toi qui as l'honneur. C'est parti, Léonie. Vise bien, tu vas aller au drapeau. Tu Oui, regardes bien au où va le drapeau. drapeau. Vas-y, recommence. Bien! Donc ta balle, elle est là-bas. À moi de jouer? À papa de Alors moi, je jouer. vais jouer quoi? À Je vais mon jouer un père de fer. Je peux jouer un fer? jouer. Oui, un fer. Alors moi, j'ai pris un fer 7. C'est parti, t'es prête, Léonie? Là, il va le faire. Oui. Papa. Oh! Est-ce qu'on en remet Oui. une? Ouais, alors vas-y. Tu remets une J'en jaune? prends une jaune. Allez, vas-y. Eh ben écoute, elle est là-bas. Oh, allez, elle est plus loin que ton driver. Donc on va remettre une balle là-bas. D'accord? Allez, on prend le tee, on range. Papy prend Moi, je prends le aussi. sac. Ouais. Moi, je suis ton caddie. Oui, t'es mon Allez, caddie. je prends le sac. En fait, quand je prends la caméra, toi, t'es mon caddie. Et quand tu prends la caméra, je prends mon caddie. Tu filmes bien? Allez, c'est parti, les amis. T'as découvert le golf quand, Léonie? Quand on était avec Rina. Avec Rina, quand on est allé chez G-Swing? Oui. Donc, c'est Pierre-Antoine qui t'a allumé un écran et t'as joué sur un écran. Oui. Et ça t'a plu, le golf? Oui. Alors, tout le monde dit, oh, le golf, c'est pour les vieux. Quel âge tu as? 6 ans. 6 ans? Donc, tu viens de commencer à 6 ans? Qui fait du golf dans la famille? Ma mamie, mon papy, mon papa. Ouais. Voilà. Dis donc. Et moi? Et toi, maintenant? T'es une golfeuse. Alors, vas-y, prends le Alors, putter. je vais prendre le putter pour faire des gaffes. Allez, vas-y. Donc, tu vises bien le trou, pas trop fort. À Hop, toi, à papa. moi. Tu me prêtes ton putter? Donc là, on fait une formule, ça s'appelle un scramble. C'est quoi un scramble? Un scramble, c'est quand on joue, tu sais, tous les deux au même endroit, là où la balle est le mieux placée. Ah, ok. C'est une formule comme ça quand on joue avec un débutant ou avec quelqu'un qui joue bien. On peut jouer ensemble, facilement. Oh!
Alors c'est laquelle la plus proche? La tienne. Alors on va jouer, on va mettre ta balle. Mais regarde, on va bien viser comme ça, ici. Il est bien mis. Ouais. Bien comme ça. Vas-y. Vas-y. On refait. C'est fort. Oh mince. Tiens, vas-y, joue la mienne. Ok. Moins fort. Ouais. Alors attends, regarde. Regarde. Tu vas prendre là avec le club ici, tu vas soulever le petit clou. Ah. Soulève-le avec le club pour faire sortir la balle. Hop. Donc super, dis donc, Léo, c'est notre premier trou ensemble. Quel bonheur. Allez, on va faire un autre trou. On va faire celui-là qui est là-bas. On a réussi à faire un trou. Vous n'imaginez pas le kiff que c'est pour moi de faire ma première partie de golf avec ma fille. J'en ai rêvé depuis longtemps, mais elle était trop petite, elle n'était pas intéressée. Hein. Et puis au hasard d'une balade chez G-Swing, Pierre-Antoine a eu la gentillesse de lui allumer un écran. Elle s'est amusée à taper un écran. D'ailleurs, vous avez peut-être vu sa vidéo où elle a piraté ma chaîne. Et idée reçue numéro 1, le golf n'est pas un sport de vieux puisque ça commence. On commence à jouer à partir de 6 ans. J'aurais aimé jouer à 6 ans. Ou à 7 ans. Ou à 7 ans. Ou à 8 ans. Et ça commence à 6 ans. Ouais. Et l'avantage quand on dit c'est un sport de vieux, non, c'est un sport qui se pratique très longtemps, 70, 80, 90 ans, bref. 100 ans, non, je rigole. Bref, il n'y a pas d'âge ni pour commencer le golf, ni pour arrêter le golf. Alors on sort d'une période de confinement où les privations de liberté ont été quand même importantes. Venez découvrir le golf, alors je donne l'info tout de suite. Hein. Tu sais, Léonie, que les golfs, là, en cette période, au mois de mai, au mois de juin, ils organisent des initiations gratuites. Donc, toutes les familles qui se disent « Ah, bah tiens, moi, j'aimerais bien profiter un peu de la liberté d'être dehors », ils peuvent aller au golf et ils auront une initiation en famille, avec les enfants, avec les parents, avec les ados, gratuite. Donc, les initiations dans les golfs, renseignez-vous dans le golf qui se trouve à côté de chez vous et vivre ce que je suis en train de vivre avec mon petit chat d'amour, notre première partie de golf. Alors on y retourne, là on est à Écancourt, au trou numéro, il est loin celui-là, regarde, où il est le drapeau. Bon, on va s'y mettre, il va falloir sortir quoi là? Le driver. Il va falloir sortir le driver. Le Alors, driver. La balle de foot. La balle de foot pour Léonie. Allez vas-y, sort ton driver. Ok. Il va falloir aller tout là-bas. Oh là tout, là tout là là là. Il est très loin. C'est toi qui commence ou c'est moi? Allez, vas-y. Comme il y a la balle de golf. Il y a la balle de golf, la balle de foot. Allez, tout doucement, sans forcer. C'est bien ça, dis donc. Elle roule bien ta balle. À toi. À moi? Je peux prendre le driver? Oui. Oh là là, je vais driver les amis. Alors, regardez mon driver. C'est le mien. C'est le mien. Le driver de Léonie. Prête? Oui. Oh! Il est allé loin. Eh dis donc, on est pas mal. On est pas mal du tout. Aussi. Il est trop. Mais il est trop bien ce driver. Allez, on est parti. On va là-haut. Je vais dire un petit truc. Vas-y, dis un petit truc. Alors, à la fin de cette vidéo, cliquez sur la cloche pour voir une des autres vidéos. Ah oui. Je vous emmène. T'as raison. T'as raison. Bah oui. C'est pour ça que j'ai dit ça. Allez, vas-y. Porte le sac. Donc Léonie, t'es en quelle classe? En CP. En CP. Est-ce que t'aimerais emmener tes copines faire du golf, oh découvrir ouais le golf, c'est vrai? Un jour, on fera ça, on amènera tes copines? Oui, et elles vont faire avec les miens. Avec tes... Ah, tu leur prêteras tes clubs. Alors... Et aussi des balles. Ça, c'est ta balle, on va la ramasser. Ma balle de foot. La balle de foot. Alors, on a suivi les petits conseils que nous ont donnés Pierre-Antoine, chez G-Swing et Rina. Oui. Alors, première chose, regarde, il fait chaud, qu'est-ce qu'on porte? Une casquette. Une casquette. Pour se protéger du soleil. Un petit polo de golf. Un petit pantalon rose pour aller avec la casquette. Ouais. Ça, c'est le design du golfeur, ça s'appelle. Et puis, tu portes ton sac. Donc, on a regardé la vidéo de Rina qui explique comment porter le sac. Mais dis donc, on a fait une super belle balle, Léonie. Ouais. Alors, si vous n'arrivez pas à mettre près les balles, bah, vous le mettez comme ça, votre sac,
vous appuyez sur un petit truc et les barres sortent. Ah, le sac trépied, trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer là? Un fer 7. Moi, le fer 7, ça me paraît pas mal. Hein. Allez, vas-y, Léonie. Alors, on va jouer avec un fer 7. Hop, fer 7. Allez, vas-y. Tranquillement, force pas. C'est pas mal. À moi? C'est pas mal pour une première balle. Moi, je prends un fer 9. Oh, elle est peut-être allée trop loin même. Attends, je vais voir. Dis donc, ils sont bien ces clubs. Hein. Ouais, c'est les miens qui l'utilisent. Hein. Regarde comment j'ai fait, papa, j'ai retourné la caméra. Qu'ils te voient. Ah oui. Bah oui, mais c'est pas moi la star. C'est toi la star. Vous mettez 100 000 likes et 100 pouces bleus. Alors. Abonnez-vous. Choisis bien la cible. Oh, regarde comme il est bien celui-là. Mais dis donc, c'est pas une balle de golf, c'est une balle de foot que t'as. À moi? Oui. Maintenant, c'est à papa. Alors? Je vais voir. Mais c'est joli, ce petit coucou. Ouais, mais je trouve que ta balle, elle est mieux placée encore. Ouais. Hein. Ouais, on va jouer sur ta balle. Oui. C'est toi qui rentres la balle, là. Et toi, la reine du putter. Attends, je vais refaire. Vas-y, refais. Et. Allez, tu me finis ça, tu mets la balle dans le trou. Ok. Ah, faut bien s'aligner dans le trou. Non. C'est bien, mon chat. Alors, attends, allez. Pas avec la main. Oui, je sais. Hop. Et voilà. C'est sa toute première partie de golf à mon petit chat, à ma petite golfeuse. Regardez comme elle est belle. Dites-moi si elle a une belle tenue dans les commentaires. Est-ce qu'elle ressemble à une golfeuse, cette petite Léonie? Pour moi, je mets un like. Je mets un grand like comme ça. Et puis, je m'abonne parce que ta tenue, elle est trop classe. Allez, on prend le sac, on va sur notre trou. Alors, j'ai posé la question quand même avant de l'emmener. Hein. Je ne suis pas un bourreau d'enfant. Mais je voulais vivre mon rêve qui était quand même de jouer un jour au golf avec ma fille, sans la forcer, en lui donnant envie. Donc, quelles ont été les étapes pour que ça la motive? La première, en fait, chez G-Swing, étonnamment, elle s'est mise à taper sur un écran. Ça lui a énormément plu. C'était bien le simulateur chez Pierre-Antoine? Ouais. Et puis l'autre chose, on a fait des choses toutes belles. Regardez, j'ai acheté des balles de foot pour rendre la chose un peu ludique. Je lui ai donné des petites couleurs, une casquette. Et en fait, on essaye vraiment de s'amuser et puis profiter de la météo. Et puis, ça a l'air de lui plaire. Je ne suis pas objectif. Je suis son père. Trou numéro 5. Ça te plaît, Léonie? Oui. C'est le trou numéro 5. Là, le trou numéro 5. Oh là là! Alors, vas-y, dis-moi. Trou numéro 5, combien il fait? C'est quoi le chiffre qui est écrit? 115. Donc, le trou fait 115 mètres. 115 mètres, et le drapeau est tout là-bas. Papa, 115 mètres, c'est loin. Bien 1 et 5. C'est 1, 1 et 5. Ok, 1, 1 et 5. C'est bien ce que je dis. Eh oui, allez, viens. Trou numéro 5. Trou numéro 5. T'as vu, il est long. Il est grand, hein? Ouais. Allez, on va partir d'ici. Je te mets ta balle de foot. Ouais. Qu'est-ce que tu vas prendre comme club? Je sais lequel prendre, le driver. Alors, on va prendre le driver. Vas-y. On va prendre le driver. Ce joli driver. Alors, Léonie, future joueuse du LPGA en devenir, si vous voulez parier sur son avenir et la sponsoriser, le premier contrat commence à 1 million de dollars. On est d'accord? C'est oui. Bien? C'est un bon chiffre, 1 million de dollars? Oui. Allez, on va jouer au golf, là. Fini les bavardages. Oui. Cette balle-là, tu me l'envoies le plus loin possible. Allez, vas-y, mon chat. Et aller loin. aller loin, c'est ça que t'as dit. Ouais. Wouhouhouho. À toi. À moi. Quel club tu me conseilles? Celui-là. Le driver, t'es sûr? Oui. Je vais pas aller trop loin avec un driver? Non. Je préfère le fer 7. Ouais, le fer 7, c'est pas mal, le fer 7.
attention, ça rigole pas, hein. Faire cette deux compétitions. C'est un shaft 3 à 5 ans. Ce T-Club, c'est des 3 à 5 ans, je crois, hein, ou 5 ans. Attention à toi, mon chat. Hein. Oui. Regarde bien, tu regardes bien où va ma balle. Oui. Oh, on est à côté là-bas. Elle est pas sur le green, mais elle aurait pu. Oh, j'ai presque envie d'en remettre une tellement elle est allée loin. Non. Si, ils sont trop bien tes clubs. Ouais. Et moi aujourd'hui, je suis ton caddie. Tu sais ce que c'est le caddie? Oui. C'est celui qui porte le sac et puis qui te sort le club, ouais. Qui te donne la balle. Comme je suis la star. Comme t'es la star, bah oui. Eh oui. Déjà, la t'étais la star de Je vous emmène golfer. Hein. Oh, elle est allée loin la balle. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale Léonie vous emmène au golf. Léonie vous emmène golfer. Mais d'où vous est venue cette idée de chaîne, Léonie? Bah, mon caddie m'a fait penser à ça. Alors moi, je fais un énorme big up à au moins deux abonnés que j'ai rencontrés, donc Nicolas et Johan. Ils m'ont tellement donné envie. Johan donc joue en famille, lui joue avec son épouse et sa petite fille, il joue au golf. Et pareil pour Nicolas qui joue avec son épouse, qui joue avec ses enfants. Donc une spéciale dédicace à Johan et à Nicolas, parce que là je suis en train de vivre exactement la même chose que vous, c'est-à-dire que je suis en train de golfer avec ma fille et le bonheur est absolument incroyable. Quoi, tu t'appelles caddie maintenant? Ben oui, je suis ton caddie. Je suis ton caddie. Allez, quel club on veut? Tu sais que là on pourrait mettre un putter. Hein. Bah, je prends un putter. Tu fais un putter? Joli! Ouh là là, ça va loin, eh. Je ne sais pas comment vous allez accueillir cette vidéo, mais pour moi, c'est la vidéo la plus kiffante que j'ai réalisée jusqu'à maintenant. Parce que je joue avec ma fille et c'est un vrai régal. Et je me permets, en fait, nous ne sommes pas les seuls enfants. Là, il y a un père de famille qui joue avec ses enfants. Et moi, je suis là avec ma fille. Allez, Léonie, vas-y, c'est toi qui finis le trou. Donc, on essaie de rendre les choses le plus ludiques possible. Pas, j'essaie de lui donner envie de jouer, de découvrir. Allez, vas-y. Sans pression. Et ça, tu m'as même pas expliqué. Ah bah, je t'explique juste après ce que c'est que le relève pitch, d'accord? Ok. Allez, tu mets la balle dans le trou. Bon, je la refais, celle-là. Vas-y. Ouh, elle est allée loin. Je la refais encore. Rien que pour ça, quand même, le bonheur de profiter de la nature alors qu'on a été confinés pendant des semaines et des semaines. Les enfants ont un peu morflé, hein. Elle est en CP, Léonie, elle a eu du mal avec ce confinement. Je suis ravi, ne serait-ce que ça, de l'amener un tout petit peu dehors. Papa, tu peux le prendre? Oui. Voilà, de l'emmener profiter de l'extérieur, rien que ça, c'est un vrai petit bonheur. Ça lui fait du bien, je le sens. Et c'est pour cette raison aussi que vous pouvez emmener vos enfants. C'est quoi le mieux au golf? Si tu devais dire à tes copines ce qu'est le mieux au golf. Alors, ce qui est mieux au golf. Alors, la règle numéro 1, il faut s'amuser. C'est vrai. La règle numéro 2, il faut bien regarder. C'est vrai aussi. La règle numéro 3, il faut avoir tous les clubs. Et je dirais la règle numéro 4, il faut s'amuser. Et il faut encore s'amuser. Oui, pensez à vous abonner à la chaîne, partager, commenter dans sous la cloche. À bientôt les amis. À bientôt. Tu reviendras faire une vidéo avec moi? Oui. Allez, à bientôt. Bientôt. De toute façon, on a fait quoi? On a dit au revoir à tout le monde, on a dit de liker, de commenter. Ouais, de est-ce qu'on a dit aux gens d'aller faire des initiations, d'aller découvrir le golf? Ah non. On l'a pas dit? Non.